Jack, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, moisson des colzas. Aujourd'hui je vais passer toute une après-midi dans cette ferme. Donc avec la moisson du colza, je vous mettrai quelques images. Donc le déchômage avec le 8R. Allez, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, la moisson de colza est terminée. Donc la moissonneuse vient de vider la trémie. Moi je vais aller vous montrer le 8R, un peu le travail que ça fait. Voilà, donc la moissonneuse, je vous l'avais déjà présentée dans une précédente vidéo. En revanche, lui, c'est une nouveauté, le 8260R, donc 300 chevaux à plein régime avec le boost. Donc ici, il est attelé sur le Rubin 9, un déchômeur Lemken à disque 6 mètres, donc avec un bon débit de chantier. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a un déchômage qui est plutôt propre. Donc on atteint... Allez, on a scalpé les 7 premiers centimètres. Donc dessous, c'est dur. Donc c'est pour éviter que les adventices repoussent, donc les mauvaises herbes, mais aussi les repousses de colza. Et on peut bien sûr voir que la plupart des chaumes de colza sont enterrées, donc complètement mélangées à la terre. Donc ça fait de la matière organique. Voilà. Voilà, donc j'espère que ce petit vlog d'été vous aura plu. Donc la moissonneuse, le 8R, tout ça. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.